On est passé par Bruxelles par hasard parce qu'on voulait aller en Europe du Nord ensuite. Et c'était juste une escale, on devait rester juste pour... Donc en fait, on s'était dit qu'on allait se faire un peu chier, pour être honnête. Ah, mais en fait, c'est génial, quoi. Vie nocturne excellente, pareil, Delirium Bar, génial. Et puis ouais, les gens sont sympas, la gastronomie c'est trop bon, les moules frites, c'est génial. Les gens sont super accueillants, gentils, que ce soit à l'hôtel, dans les bars, dans les restaurants, ils étaient vraiment très très gentils. C'est pas comme à Paris, j'ai envie de dire. Et franchement, Bruxelles, je reviens le plus vite possible. Voilà, messieurs les Français, les Parisiens, les bons frites ici. Ah, les meilleurs de Bruxelles et des environs. Qu'est-ce que vous goûtez une petite frite? C'est orgasmique. C'est juste merveilleux. Franchement, c'est excellent. Quoi. J'ai rarement goûté un truc pareil. Une petite partie mayonnaise, une petite partie sans. Trop bonne journée. Deux moyennes. Alors, le secret de la frite bruxelloise, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut, c'est d'abord cuire les frites en deux fois. Première cuisson, ici à 140 degrés. On les pré-cuit. On les fait reposer pendant l'idéal pendant 20 minutes, une demi-heure. Après, on les replonge dans une deuxième friture à 180 degrés, pour qu'ils soient bien saisis. Et alors aussi, il faut que la graisse soit toujours changée, tu vois. C'est de la nouvelle, tous les jours de la nouvelle, comme ça, le goût est incomparable. Et il faut aussi cuire les frites avec de la graisse de bœuf. Ce qu'il faut, tout a son importance. Il faut une bonne pomme de terre, fraîche, qu'on épluche soi-même ou bien qu'on a conditionné déjà épluché. Des bonnes friteuses, la bonne graisse, de l'expérience et l'amour de son métier aussi. Hein. Faut aimer de donner des bonnes frites aux gens. Hein. Ça, c'est le principal. Hein. Vous faites ça depuis combien de temps Moi, je suis né là-dedans. Ah, mon père, mon grand-père, depuis 5 générations, on fait des frites et des croustillons. Ça vous plaît les jeunes, c'était bon? Ouais, c'est vraiment trop bon, on en reprend un autre! Ok, c'est parti, j'en fais des autres. Hein. Pas de problème, voilà.